Comment avoir plus d'ovocytes ? Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule vidéo consacrée à t'aider à concrétiser tes essais bébés. Comme tu le sais, chaque semaine je publie une nouvelle vidéo, très généralement en lien avec une question qui m'a été posée. Et donc ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est à t'abonner pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle capsule vidéo. Ça te permettra de bénéficier de mes conseils le plus rapidement possible pour t'aider à avancer dans tes essais bébés. Et bien sûr, comme tu le sais, je suis aussi présente sur d'autres réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, et donc ça te permettra de pouvoir trouver mes conseils au quotidien. Donc je t'invite à me suivre sur ces réseaux sociaux. Alors dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée et qui, je t'avoue, m'est posée assez régulièrement. Oui, évidemment, c'est une question qui t'intéresse à partir du moment où tu essayes d'avoir un enfant. Forcément, tu t'intéresses à la production d'ovocytes. Et donc, tu cherches évidemment à avoir des ovocytes de plus grande qualité et en tout cas, peut-être en avoir un peu plus. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas tellement la quantité qui compte, mais bien davantage la qualité. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un élément important que tu dois garder en tête. Ensuite, ce que j'ai envie de te donner comme conseil, c'est de te dire que la première chose à faire, vraiment la toute première action qui en fait sera celle qui aura le plus d'impact, c'est de veiller à ton alimentation. Alors pas n'importe comment, bien sûr. Je t'invite toujours évidemment à consulter ton médecin ou un professionnel de la santé si tu veux adopter un régime particulier. Ici, vraiment, ce que je te donne, ce sont des conseils qui vont te permettre, de bon sens en fait, tout simplement, qui vont te permettre d'améliorer ta production d'ovocytes. Alors, on parle d'alimentation, et donc la première chose à faire, c'est de prendre de la vitamine C. Oui, parce que la vitamine C, en fait, il y a déjà une étude qui a été démontrée, une étude scientifique qui a été faite sur le sujet, et qui démontre que prendre de la vitamine C pendant 6 mois augmente considérablement la production hormonale. Alors, comme toujours, avant de te lancer dans la prise de compléments alimentaires, parle-en à ton médecin. Mais sache que oui, la vitamine C, ça peut t'aider. Et ce n'est pas la seule. Alors, on a parlé de vitamine C, là maintenant je vais aussi te parler de zinc. Alors le zinc, c'est quelque chose qui peut aussi t'aider à améliorer la qualité de tes ovocytes. Alors quand on parle de zinc, sache qu'il y en a dans les crustacés, il y en a dans le crabe, il y en a dans les pois chiches, il y en a dans le chocolat noir, dans la pastèque. La pastèque est excellente, c'est une grande source de zinc également. Donc oui, le zinc peut vraiment t'aider à améliorer ta production d'ovocytes. Donc on avait la vitamine C, le zinc, et maintenant je vais te parler du magnésium. Alors oui, le magnésium également peut t'aider à améliorer ta production d'ovocytes. Alors dans quoi est-ce qu'on trouve le magnésium ? On en trouve dans les épinards, dans le flétan, dans des céréales, dans tout ça, dans les noix bien sûr. Donc voilà, ça te montre que l'alimentation, ça permet vraiment, c'est la première source de vitamines et c'est aussi ce qui peut te permettre d'améliorer ta santé en général. Et bien sûr, évidemment, si tu essayes d'avoir un enfant, ça peut te permettre d'augmenter considérablement tes chances de succès. Donc pense à t'alimenter sainement. Je fais juste une petite parenthèse, puisqu'on parle d'alimentation, je fais juste une petite parenthèse et j'en ferai d'ailleurs une prochaine capsule vidéo, mais je t'invite à faire très 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 attention à la consommation de fast-food. C'est peut-être très bon au niveau du goût, mais alors c'est une véritable catastrophe pour la santé, parce que plusieurs études scientifiques démontrent que tu mets plus de temps quand tu consommes des fast-food pour tomber enceinte que quand tu n'en consommes pas. Donc si tu essayes d'avoir un enfant en ce moment, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. J'espère que cette capsule vidéo a été riche de conseils et qu'elle t'aidera à voir les choses autrement. Sache que oui, naturellement, tu peux très bien améliorer ta production d'ovocytes. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tu ne dois pas faire appel à un médecin ou en général à la fécondation in vitro, loin de là, au contraire. Mais sache que tout ne dépend pas de ça et qu'il t'appartient de mettre toutes les chances de ton côté. Si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à lire mon livre « C'est parce que tu penses trop », un livre que j'ai écrit parce que moi-même c'était une phrase que je ne supporte plus et je pense que toi aussi tu es dans la situation. Alors si c'est le cas, je t'invite à le découvrir. Je t'invite aussi à cliquer sur les liens qui se trouvent au-dessus ou en dessous de la vidéo, tu y trouveras plus d'informations. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu essayes d'avoir un enfant, tu l'as vu à travers ces conseils d'aujourd'hui, il est possible d'augmenter considérablement tes chances de
de réussite et je serai bien sûr ravie de t'aider en te montrant comment c'est possible d'améliorer, d'augmenter tes chances de réussite, que tu sois suivi ou non médicalement parlant. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo et d'ici là, prends soin de toi.